est parti. Hello, coucou les Cédingos, les Cédingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, recette air fryer de chez Ultenic. On va faire des petites pommes de terre au cheddar et à la mozzarella. C'est très simple. Manger ça avec une petite salade et du jambon. Voilà. Donc j'ai mis à préchauffer, ça fait à peu près 5 minutes. Donc on va l'arrêter. Hop. On va mettre nos pommes de terre directement dedans. Alors moi j'en ai beaucoup parce que... Oh, je mets tout, hein. Ça va être plus loin cuire. Ouais, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai mon fils qui a fait un transport ambulance à Nîmes, Orléans-Nîmes. Donc du coup, il passe par ici. Donc du coup, bah, il va s'arrêter manger. Je suis bien contente. Top. Donc je mets un petit peu d'huile. On va se mettre là. On va mettre un peu de poivre. Hop, on va les faire sauter. Du sel. Hop, voilà. Et on va les laisser cuire comme ça. Hop là, il y a une patate qui s'est fait la mélange. Elle n'avait pas envie de finir dans le truc à cuire. Hein. Donc, on va mettre nos pommes de terre en premier à partir. On va les mettre 15 minutes. J'appuie directement sur frites. Hein, sur le truc frites. Voilà, je me mets là. Donc, je vais faire aller 20 minutes à 195. On part et ensuite après, on va venir à ce moment-là, regardez si nos pommes de terre sont cuites. Si elles sont cuites, on va rajouter nos petits lardons fumés. On remet à partir 5 minutes et ensuite après, on va mettre notre cheddar et notre mozzarella coupés en petits cubes et on remettra 5 minutes de façon... C'est gros, hein. 20 avec ça? Ah oui, oui. D'accord, bon, on verra. Hein, on verra. Le chef est là, donc du coup... Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bah, 5 minutes, il voilà. N'y a pas de micro-ondes dedans. Hein. Ouais, d'accord, arrête de bouger, c'est dans mon locker là. Non. Voilà, donc du coup, je vous reprends après avec le chef qui va donner son avis sur le temps de la cuisson. C'est parti. Alors du coup, mes pommes de terre sont pas tout à fait cuites, mais presque. Donc j'ai piqué avec un couteau. Vous voyez, elles sont pas tout à fait cuites, presque. Voilà, donc du coup, on va mettre les lardons. Hop. Donc moi j'ai pris des lardons fumés. Ceux qui mangent pas de porc, vous pouvez faire avec autre chose, hein, c'est pas bien grave. Voilà, hop. Et on remet combien de temps, Jean-Luc? 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Dès qu'il y a de l'épaisseur, il faut que ça cuise. Et on viendra mettre le fromage après. Donc du coup, je mets... Ok, et c'est bon, c'est parti. Voilà, allez. On se retrouve pour la suite de la suite. Alors, j'ai pas la tête de tout à l'heure, c'est parce que j'ai mis le pyjama. On met le mozzarella dedans. Pour la mozzarella, le cheddar. Ça va être encore bon pour le régime, ça. Et puis la mozza coupée en petits morceaux. Hop là. Voilà, voilà. Et on va touiller tout ça. Oh, j'ai fait des bêtises. J'en ai mis sur le truc. Je vais le mettre à part. Hop. Voilà. Et je remets. 20 minutes. Allez, vas-y. Voilà. Et ben, si ça, c'est pas bon après tout ça. Si je rentre plus dans le pantalon de mon pyjama, je vous lis pas. Donc 195. Attends, Josiane, ne pars pas comme ça. Et 20, et voilà. Hop là, voilà. Hop là, voilà. C'est l'heure du repas pour aller manger. Et après, on va aller se coucher. Si je faisais pas des conneries, ça serait pas Sylvie. Alors, ça a l'air délicieusement bon. Délicieusement, délicieusement. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. Vous mangez ça avec du jambon ou alors vous faites un petit œuf sur le plat. Oh, ça... Une bonne salade. Ah, une bonne salade verte. Et là, ça, c'est que du bonheur. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, on va le laisser au chaud. Nous, le temps qu'on
qu'on puisse manger notre petite souplette, comme la maison de retraite. Voilà. Donc, et bien, du coup, petite recette qui est très vite faite avec le air fryer de chez Ultenic. Regardez sur leur site, il y a des promos. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et encore merci Ultenic. Bisous, bisous, ciao, ciao.